Taisez-vous. Mais c'est Tom et Fahurisson. Porte-parole du gouvernement. Que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Juste Milieu. Nouvelle interview aujourd'hui, nouvel épisode de Ça Discute Avec. Et désormais, un habitué, on peut le dire, c'est Georges Kuzmanovic qui est avec nous avant toute forme de discussion. Cher Georges, comment allez-vous ? Bonjour Rémi, merci pour l'invitation. Eh bien, ça va très bien, les beaux jours reviennent. Et on a une magnifique élection européenne en vue. Énorme bêtise du gouvernement à commenter, donc ça ne peut pas aller mieux. Voilà, voilà, vous dévoilez quelques éléments du menu du jour, effectivement, aujourd'hui. On a beaucoup d'actualités, beaucoup de sujets sur lesquels revenir avec vous. Et effectivement, ces élections européennes seront au menu. On va revenir sur l'attentat qui a eu lieu il y a quelques jours en Russie, au moment où nous enregistrons. Mais avant tout, l'autre actualité, parce qu'effectivement, on bataille avec toutes ces actualités qui prennent énormément de place et à raison. On va commencer tout de suite avec le premier grand volet de notre échange, cher Georges. Israël, Ukraine, quel bilan d'étape faites-vous aujourd'hui sur ces deux zones de conflit bien différentes, effectivement? Alors, on va commencer, si ça vous convient, par le conflit entre Israël et la Palestine, voir où on en est aujourd'hui, alors que même les États-Unis commencent à entamer un recul, en tout cas médiatique, sur l'apport en armes fait à Israël. On voit que les lignes bougent, mais entre effet d'annonce et réalité géopolitique, c'est difficile de décortiquer tout cela, et c'est pour ça qu'on va le faire avec vous, cher Georges. Eh bien, très bien. Bon, la situation à Gaza, comme tout le monde le sait, est catastrophique. On a entre 1,5 et 1,7 million de Palestiniens qui sont coincés à Rafah, donc dans le sud de Gaza, à la frontière égyptienne, dans des conditions de survie, puisque on est là, très 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 difficile, en raison de l'offensive israélienne contre le Hamas, mais aussi en raison de la quasi-impossibilité pour l'aide humanitaire d'arriver. Et là, je serais, pour le coup, beaucoup moins enclin à être sympathique avec les États-Unis. C'est même plutôt le contraire. Je considère que les États-Unis sont en train de se mettre dans une position, alors que c'est le chef de file, malheureusement, en tout cas, le chef de file de l'Occident, se mettre dans une situation où ils participent de facto à un crime contre l'humanité, c'est-à-dire un nettoyage ethnique qui passe par la famine. Je m'explique. On a vu récemment aux États-Unis un changement de ton. Vous avez parfaitement raison. Les sénateurs, Schumer en particulier, intervenant au Sénat, on a vu Kamala Harris faire sa tournée au Proche-Orient et avoir une larme à l'œil et dire qu'il faudrait un cessez-le-feu immédiat. Il y a ce que vous avez évoqué. Et puis les États-Unis ont fait un lâcher de denrées alimentaires, de première nécessité, par parachute au sud de Gaza. Et puis ils annoncent qu'ils vont construire un port, que ça va prendre 60 jours pour pouvoir débarquer de la nourriture. Bon, alors tout ça est très sympathique, mais il n'y a pas besoin de construire de port pour débarquer de l'aide humanitaire, il y a des routes. Et la seule qui s'oppose à l'ouverture des routes, c'est le gouvernement israélien. Et je précise bien le gouvernement israélien de Netanyahou et de ses sbires, pour certains d'extrême droite et ultra-religieux dangereux. Il suffirait de les forcer à ouvrir les routes pour que l'aide humanitaire arrive. Car dans 60 jours, il y aura 200 000 morts. On est à une situation de famine. Il n'y aura pas de temps pour... En deux mois, beaucoup de gens vont mourir, de civils gazaouis vont mourir, que ce soit de malnutrition ou de maladies, j'allais dire bénignes, mais qui dans ce contexte-là se transforment en dysenterie, ce genre de choses du choléra, enfin pour avoir tout un tas de saloperies médicales et sanitaires qui vous tombent dessus dans un contexte humanitaire dur. Je l'ai vécu puisque j'étais humanitaire. J'ai vu ce que c'est qu'une épidémie de choléra, entre autres à Goma, en République démocratique du Congo. Bon. Donc il suffirait d'ouvrir les routes et les États-Unis ont ce moyen de pression.
pour la bonne et simple raison que ils envoient une large partie de l'armement et des munitions utilisées par Israël dans ce conflit. Donc ils peuvent dire, maintenant, bah vous ouvrez les routes, on va alimenter les populations civiles. Ils ne le font pas. Mais pire que ça, il y a eu vendredi une loi qui a été passée aux États-Unis qui stoppe définitivement le financement de l'UW, pardon, de l'UNWRA, l'UNRWA, qui est l'agence de l'ONU qui opère à Gaza depuis 1949. Qui gère aussi plus de 700 écoles, qui a fait un maillage territorial sanitaire. Alors, ils le font sur la base du fait qu'il y a une dénonciation qui n'est pas totalement prouvée de certains travailleurs de l'UNRWA qui auraient eu des accointances coupables avec le Hamas. Et d'ailleurs, pourquoi pas? Étant donné la taille du truc, qu'il y ait des corrompus au sein de l'ONU, bon, c'est pas plus surprenant qu'avec notre gouvernement. Ça arrive. Mais condamner, enfin, supprimer le financement de ceux qui sont les seuls opérant de manière efficace en ce moment dans un contexte de crise grave, et supprimer un financement, c'est participer de la condamnation des civils à continuer à souffrir. Alors je regarde là, même ma petite note parce que la chose est assez étonnante. La loi est passée massivement, hein. C'est 286 voix pour 137 contre, 135 contre à la Chambre des représentants, du Congrès. Massif. Et pareil au Sénat, c'est 74 contre 24. Pas seulement Joe Biden, hein, c'est la plus grosse partie de la classe politique qui fait cela. Donc, suppression du financement de l'UNRWA. Par contre, dans la même loi, ajout d'un financement supplémentaire à Israël de 3,8 milliards de dollars. Ça, c'était vendredi. Joe Biden doit signer aujourd'hui la loi pour qu'elle rentre en application. C'est totalement inhumain, en fait. Et donc, vous avez d'un côté un blabla, et qui a une raison politique forte, c'est qu'aux États-Unis, vous avez une élection, comme vous le savez, qui arrive bientôt, en novembre prochain, novembre 2024. Joe Biden, malgré la sénilité et la difficulté visible qu'il a à tenir un stylo et ne pas saluer des plantes vertes, devrait être le candidat des démocrates. Et la guerre entre Israël et le Hamas a des effets très très négatifs sur l'électorat démocrate, en particulier dans les bastions démocrates que sont les universités et dans la jeunesse, et alors qu'ils sont déjà à la peine. Donc, tous ces larmes à l'œil, il faut absolument construire un port, il faut aider les pauvres Gazaouis, ce serait bien qu'il y ait un cessez-le-feu. Bah, c'est du blabla, c'est de l'enfumage à destination de cet électorat. Et d'ailleurs, un aparté, on s'en fout totalement de ce qui se passe en Ukraine. Enfin, ça ne les intéresse pas, à part qu'ils ne voient pas très bien pourquoi il faudrait envoyer de l'argent alors qu'il y a des soucis aux États-Unis. Mais par contre, ce qui se passe en Israël intéresse beaucoup aux États-Unis et la manière dont ils ont mené les combats par Israël est assez détestable à beaucoup d'Américains, y compris évidemment beaucoup d'Américains juifs. C'est quelque chose qui c'est un mouvement très fort qui naît là-bas. Bien évidemment, le problème n'est pas de condamner, à part pour certains qui, je ne sais pas très bien pourquoi ils ont ce problème, de condamner le Hamas, ce qu'il est, c'est-à-dire une organisation islamiste extrémiste, qui veut bien évidemment dégager tous les juifs du Jourdain à la mer, donc c'est-à-dire les éliminer tous. Sa charte est parfaitement claire sur ça, et qui a commis un massacre intensité jamais vue, hein, qu'on peut comparer largement à un pogrom, tuant des civils le 7 octobre 2023. Mais le gouvernement, encore une fois d'extrême droite ultra-religieux de Netanyahou, profite de ce drame pour avancer ses objectifs politiques, qui sont clairement dits.
pas du complotisme, c'est faire le grand Israël sur la carte de la Palestine en reprenant ce que considère être Israël, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans la Bible et en particulier dans les 6 livres de Joshua. Alors évidemment, c'est délirant, hein. Il ne faut pas baser une géopolitique contemporaine sur choses qui ont été religieuses, qui ont été écrites il y a 6000 ans. Ça, un léger souci, on va dire. Hein. Et donc, on a une situation qui est quasi impossible à résoudre. Parce que d'un côté, on a ce gouvernement d'extrême droite composé avec des ultra-religieux qui souhaitent dégager tous les Palestiniens, mais également de Cisjordanie, où on voyait des provocations, et bien sûr ceux de Gaza, pour faire le grand Israël. Donc ça s'appelle un nettoyage ethnique. Je tiens à préciser, ce n'est pas un génocide. Il n'y a pas de génocide en cours. Alors je sais que l'Afrique du Sud a attaqué Israël en accusation de génocide, mais un génocide vise à éliminer l'ensemble d'une population sur des critères ethniques ou religieux. Là, c'est un nettoyage ethnique. On force, y compris par la violence ou la famine, des gens à partir. Mais c'est déjà un crime contre l'humanité, hein. Il n'y a pas Mais besoin de génocide. On est ce des point, massacres. sur ce point, cher Georges, je voulais intervenir pour rebondir avec vous sur ce point, parce que c'est vrai que j'ai honnêtement beaucoup de mal, hein, et c'est tout l'intérêt de l'échange que l'on a aujourd'hui, c'est de discuter sur ces questions-là. Jean Quatremer, par exemple, dans Libération ce week-end, donc le 24 mars, avait la même réflexion d'expliquer pourquoi ça n'était pas un génocide. Alors peut-être que c'est naïf de ma part, mais en fait, je ne comprends pas, absolument pas, pourquoi le débat se situe ici. Parce qu'au point où on en est, le résultat, le bilan mortuaire est le même. En fait, je ne comprends toujours pas pourquoi ce débat de génocide ou pas génocide existe. Qu'est-ce que cela change alors que dans tous les cas, la communauté internationale reste silencieuse et aveugle face à ce qu'il se passe là-bas? Je pense que la communauté internationale devrait réagir. Je vais y venir. Mais vous savez qu'un nettoyage ethnique et des massacres de civils, c'est un crime contre l'humanité. On est au-delà du crime de guerre. C'est juste la qualification de génocide est quand même particulière. Et je sais que certains juristes considèrent qu'il s'agit d'un génocide. J'ai moi-même été témoin au Rwanda de la fin d'un génocide, celui de 1994. Bon. 800 000, 1 million de corps tués, enfin de personnes tuées en moins de 3 mois, pas exactement la même chose. Je tiens au terme, mais c'est déjà extrêmement grave. C'est le point juste en dessous du génocide. Donc bon, et ce n'est pas parce que ce n'est pas un génocide, mais un nettoyage ethnique qu'il faut pas intervenir. Les arguments de ceux qui disent que ce n'est pas un génocide pour rien faire, ça ne va pas du tout en fait. C'est bien évident. Donc on a d'un côté un gouvernement d'extrême droite israélien qui veut dégager ses Palestiniens, y compris par la force, y compris par des bombardements pour des civils, y compris par la famine, ce qui est quand même fou. Et avec un Occident qui bon, ferme quand même largement les yeux sur quelque chose qui est d'une violence assez colossale. Mais de l'autre côté, l'interlocuteur, c'est la Hamas. Donc c'est d'autres dingues qui, eux, veulent faire un califat. Bon, et qui se sont, certains considèrent comme des résistants, enfin bon, c'est surtout des gens qui ont instrumentalisé la cause palestinienne pour avancer leur vision aussi religieuse, complètement messianique et pas du tout conforme à notre époque, qui d'ailleurs ont massacré plein de militants de la gauche palestinienne, enfin bon, passons. Donc c'est pas vraiment les meilleurs interlocuteurs pour se mettre à une table, hein, puisque l'un et l'autre veulent la destruction définitive de l'adversaire. Et là-dessus, vous avez un autre interlocuteur qui est central, en dehors des pays arabes, c'est les États-Unis. Car sans soutien des États-Unis, Israël ne peut pas continuer à faire ça. Or, il y a ce soutien. Et la perversité va jusqu'à récemment au vote à l'Assemblée nationale. Pardon, au vote au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis ont bloqué toutes les résolutions de cessez-le-feu immédiat.
y compris la dernière, au moment où Kamala Harris allait au Proche-Orient en disant il faudrait un cessez-le-feu immédiat, vraiment, c'est terrible ce qui se passe. Bon, ok. Mais à l'ONU, ils le bloquent. C'était un cessez-le-feu proposé par l'Algérie, bien évidemment soutenu par la Chine et la Russie. La France a voté pour, hein. Tout le monde a voté pour, sauf une abstention de la Grande-Bretagne, mais bon, c'est un grand porte-avions des États-Unis. Et ceux qui ont voté contre, c'est les États-Unis. Et là, il y a quelques jours, ils ont proposé une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU sur un cessez-le-feu qui a été rejeté justement par les autres, par l'Algérie, la Russie, la Chine. Et les Américains disent, regardez, nous, on a proposé un cessez-le-feu, ils refusent. Et en fait, c'est là, c'est une perversion incroyable. C'est quand on lit le texte, ils ne proposent pas un cessez-le-feu immédiat comme les autres résolutions qu'ils ont bloquées. Ils proposent une discussion sur un cessez-le-feu, sans rien exiger dans l'immédiat. Or, on a ce cynisme, cette farce, l'arrêt du financement de l'UNWRA, l'UNRWA, pardon. Le soutien à Israël renforcé de quasiment 4 milliards, ce qui fait que Netanyahou continue à dire ben, on va faire une opération militaire à Rafah, dans les civils. Après, il n'y a nulle part où aller à part en Égypte. C'est ça qui est visé. Bon, l'Égypte ne peut pas, tout un tas de raisons. D'ailleurs, pas très humanitaire non plus, mais ils savent très bien ce qui va se passer. C'est si elles arrivent à pousser. Quasiment tous les Palestiniens au-delà de la frontière israélo-égyptienne, mais c'est fini, on ne reviendra jamais. Bon. Les États-Unis cautionnent en fait cela par l'attitude qu'ils ont ces discours de faux-semblants. Or, comme il n'y a pas de réaction du reste de l'Occident, ce qui est un souci, parce qu'on n'arrête pas de parler des valeurs et qu'on défend les valeurs, les valeurs, les valeurs. Bon, là, on est vraiment. Déjà, qu'on n'avait pas été terrible sur les valeurs quand il y avait, durant la guerre du Yémen, menée par l'Arabie Saoudite, mais appuyée par les États-Unis, en tout cas en termes d'information et d'état-major, où du matériel français avait été utilisé, dont les chars Leclerc et spécifiquement le canon César. Qui a été la pire famine depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec des millions hein, de Yéménites, en particulier d'enfants, qui ont été malnutris. Donc vous imaginez, pour ceux qui ne sont pas morts, ce que ça signifie, malnutrition. Quand vous êtes enfant, c'est que vous n'êtes pas mort, ok, c'est super, mais vous avez des défauts, enfin des dégâts physiologiques, parfois cérébraux, neurologiques, très très graves, à vie. Donc c'est des millions de gens miséreux. On a fait, mais bon, là, on n'a pas trop trouvé qu'il y avait des valeurs très importantes à défendre et tout ça, et tout ça. Ce qui me permet aussi un aparté, c'est que le reste du monde voit ça. Les gens d'Éthiopie ou du Brésil ou du Mexique, Malaisie, ils lisent aussi, ils voient, ils sont informés, ils voient ça. Ce qui fait que ça leur est totalement et de plus en plus insupportable l'usage des droits de l'homme. Valeurs humanistes qui sont une très bonne chose. Enfin, mais comme argument géopolitique, ils disent, mais voilà, vous mettez, vous faites et pas là-bas. Bon, on n'arrive plus à justifier. Et là, les États-Unis se retrouvent dans une situation où ils ont vraiment beaucoup du mal à justifier pourquoi ils font ce qu'ils font. Mais malheureusement, c'est une puissance colossale militaire et concrètement, vu qu'il n'y a pas de soulèvement moral des chancelleries occidentales et des autres membres de l'OTAN, ben ça va continuer comme ça. Alors, à un moment donné, ils vont y aller. Et puis il n'y a pas que ça, parce que aux États-Unis, vous avez des néoconservateurs qui, eux, attendent et sont ravis d'une escalade. Et on est au bord d'une escalade régionale. Et Israël mène des frappes au Liban, y compris des frappes en profondeur contre le Hezbollah. Des attaques en Cisjordanie, on est à ça que ça parte. Et certains, les néoconservateurs qui mènent la politique des États-Unis depuis la fin de l'URSS, depuis quasiment 40 ans,
sont en bout de course. Ils sont vieux, ils ont échoué partout, en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Ukraine, partout, ça a été un échec. Et parfois des échecs retentissants, avec beaucoup de morts, avec aucun objectif atteint. Et là, ils sont en fuite, dans une fuite en avant, qui, eux, ils espèrent qu'il y a un conflit. Alors heureusement, tous aux États-Unis ne sont pas des conservateurs et dingues, mais on a un vrai risque. Voilà pour la situation à Gaza. Mais en face, effectivement, de ce comportement de l'Occident assez largement, enfin à l'exception de la Russie, entre autres, mais ouais, c'est un autre débat, on y reviendra, il y a quand même, je trouve, une forme de, pas d'impuissance, mais en tout cas pour l'instant, d'immobilisme du côté de ce qu'on appelle vulgairement le monde arabe, ce qui ne veut absolument rien dire, on le voit aujourd'hui. J'ai quand même l'impression que c'est le grand impensé du conflit actuel, c'est qu'on avait parlé de l'Iran dans les premiers temps qui ont suivi le 7 octobre, avec des réactions qui étaient attendues au niveau du haut commandement du côté de l'Iran, mais aujourd'hui, on n'a plus d'écho. Ce qu'on appelle le monde arabe, ce qui effectivement désigne des réalités bien trop complexes, mais pour le dire rapidement, on n'a pas de réaction pour l'instant, il n'y a pas de mobilisation du monde arabe. Quel regard portez-vous sur cet immobilisme supposé, j'imagine, de ce côté-là? En fait, c'est une question qui appelle une réponse très compliquée et différenciée en fonction des pays. Mais globalement, avant l'opération du Hamas du 7 octobre, il y avait un processus de normalisation entre Israël et les pays arabes sous l'égide des accords d'Abraham, qui avaient été signés avec plusieurs pays, dont les Émirats arabes unis, et qui étaient en cours de signature avec, y compris l'Arabie saoudite. Avec des pays, alors pas des pays, mais des dirigeants des pays dits arabes, qui, bon, étaient prêts un peu à s'asseoir sur la cause palestinienne. Alors, tant pis. Et avec un Iran qui, lui, de son côté, instrumentalise. Est-ce que l'Iran évite de faire des guerres directes. Ça n'a pas trop réussi celle des années 80 contre l'Irak, dont tu n'étais pas initialement responsable. Mais par contre, agir à distance avec des proxys, donc ça peut être les Hezbollah, les Houthis, Hamas, c'est son mode opératoire. Donc, il y a très très peu de chances que l'Iran entre en conflit. D'ailleurs, eux-mêmes étaient en voie de normalisation de leurs relations avec l'Arabie saoudite sous l'égide de la Chine. Donc on a à la base plutôt des pays arabes qui veulent pas se retrouver mêlés à cette affaire. Mais dans les pays arabes, vous avez une population qui est très très en soutien à la cause palestinienne et pour lesquels c'est un fort liant à travers les pays, au point où dans certains pays, les gouvernants ont peur que un désastre, par exemple un nettoyage ethnique à Gaza, leur cause leur propre, enfin, leur, soit la cause de leur, enfin, soit une conséquence, risque de leur faire perdre le pouvoir dans leur propre pays, parce que les manifestations sont quand même régulières, importantes. Et puis, la nature de la riposte d'Israël les met un peu dans une situation où ils sont obligés de réagir. Donc les accords d'Abraham sont maintenant morts et enterrés. Petit à petit, on va avoir quand même une radicalisation des pays qui entourent Israël. Mais il faut voir aussi que la Chine et la Russie font des efforts considérables pour éviter que ça ne parte en conflit régional, qui sera très très difficile à maîtriser, très compliqué, parce que Israël, avec les États-Unis derrière en appui, c'est quand même une force importante. En plus, une force dont les deux pays disposent de l'arme nucléaire, Israël a l'arme nucléaire, même si ce n'est pas officiellement reconnu. Et là-dessus, il faut ajouter les tensions internes, les conflits entre les différents États arabes. Vous voyez par exemple
l'Égypte combat en Égypte, maréchal Sissi combat les frères musulmans. Le Hamas est un dérivé en branche, on peut dire, des frères musulmans. C'est pour ça qu'ils n'ont pas du tout envie de voir débarquer sur leur territoire une masse importante de réfugiés dirigés par organisations liées aux frères musulmans. Et puis, pour bien complexifier tout, avant le 7 octobre, la Turquie et l'Azerbaïdjan étaient très alliés avec Israël. Au point où Israël a aidé l'Azerbaïdjan et la Turquie en termes de technologie militaire, en particulier de drones, qui a permis à l'Azerbaïdjan de vaincre rapidement l'Arménie dans la guerre de 2020, et très récemment de procéder à un nettoyage ethnique du Haut-Karabakh. Encore une fois, là, c'est pareil. Alors que c'est des Arméniens, des chrétiens, qu'on a plein d'Arméniens, en particulier en France, aux États-Unis, bah, un nettoyage ethnique, là, c'était OK. Hein, des gens qui sont pour cette terre depuis plus de 2500 ans, 3000 ans, allez, hop, dégagés. Et on continue à acheter du gaz d'Azerbaïdjan, qui est aussi une dictature, et qui, de toute façon, la moitié du gaz qu'ils nous envoient, c'est du gaz russe qui transite par Bakou. Bon. Madame Netanyahou, Madame von der Leyen est allée serrer la main à Aliyev, président d'Azerbaïdjan, et dire que tout comme elle le trouvait bel et bon. Bon. Israël était allié avec eux, parce que ça a permis à Israël de mettre deux bases militaires d'observation de l'Iran en Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan, ce sont des musulmans chiites, c'est-à-dire comme les Iraniens. A priori, on pourrait penser qu'ils sont alliés. Ben non. Et c'était plutôt les Iraniens chiites qui étaient en soutien des Arméniens chrétiens. Bon, on voit que c'est très compliqué et que souvent l'explication simple religieuse marche pas complètement et que c'est bien des tensions géopolitiques qui meuvent ces pays-là. Or, ils sont tous embêtés parce qu'ils ont un gros caillou dans la chaussure, c'est ces Palestiniens-là qui n'ont pas vraiment d'État. Il faut réussir à slalomer entre ces différentes alliances et ces différents objectifs avec ce caillou-là. Ce qui fait qu'en vérité, ce qu'il faudrait faire, la seule chose qu'il faudrait faire, c'est que tous les États membres du Conseil de sécurité, en particulier les cinq membres permanents, décident pour Israël et les Palestiniens que c'est fini. Évidemment, encore une fois, on ne peut pas avoir d'accord entre des cinglés religieux d'un côté et de l'autre. Donc, c'est d'imposer une partition et deux États sur la résolution, qui est la résolution phare dans ce domaine, la résolution de l'ONU de 1967, deux États séparés, Palestine-Israël, sur la frontière de 1967, avec un partage de Jérusalem, ou éventuellement Jérusalem comme nouvelle ville internationale, un nouveau siège de l'ONU. Enfin, bon, ça c'est mon idée à moi, je pense que ça serait intéressant. Mais voilà, c'est la résolution de 1967. Sinon, ça va continuer et ça ne va faire que s'aggraver avec des choses qui vont être difficilement défendables chez nous, c'est-à-dire des massacres massifs et un très grand nettoyage ethnique. Alors, c'est vrai que, cher Georges, un immense merci pour toutes ces précisions parce que on voit bien, comme vous le dites, que tout ça est très compliqué. Beaucoup de choses sont liées, beaucoup de choses sont bien plus complexes que ce qu'on peut dire. Et plus que jamais, quand on regarde nos médias aujourd'hui, il y a une simplicité aberrante qui ressort du traitement qui est fait de ces sujets-là. On parle de la Palestine ou de l'Ukraine avec récemment l'attentat qu'il y a eu en Russie, on va y revenir. Mais aujourd'hui, là, ce que vous dites, ce que vous prenez le temps de développer et qui est encore un résumé de la complexité de la situation, on voit bien qu'il est très important d'être prudent par rapport à tout ça et d'avoir en tête le fait qu'il y a beaucoup de choses imbriquées et que c'est bien plus compliqué que ce qu'on peut nous dire. Alors, pour aller vers le deuxième sujet de notre échange, Encore une fois, je suis très surpris quand même, chez nous en France. Des fois, il faut faire simple, c'est comme ça. La difficulté qu'ont eu tant d'acteurs politiques à être simple. Le Hamas a fait un massacre horrible. Point. Rien, il n'y a pas besoin de tortiller. C'est un fait. Et là, il y a un nettoyage ethnique en cours. Point. Alors, surtout si la boussole, c'est les droits de l'homme et le respect de l'individu. Bah dans les deux cas, c'est assez simple le commentaire. On voit que là, actuellement, pour
pour le massacre, enfin pour le nettoyage ethnique en cours. Bon, c'est quand même, c'est assez les valeurs, on les retrouve plus, hein, sont pas été rangées dans le bon tiroir. Oui, de tous les côtés, effectivement, il y a une complexité à voir ce qu'on voit, comme disait l'autre. Donc oui, c'est assez terrible. Et on a même des propos de propagande qui sont assez sidérants. Je pense par exemple à Bernard-Henri Lévy qui, en fin de semaine dernière, concernant la colonisation en Israël, nous parlait de trois caravanes sur une dune. Fin de citation. Donc je veux dire, pour voir entre autres exemples de ce qui peut sortir, ce qui est assez sidérant. Mais on continue parce que évidemment, ces conflits-là sont en train de configurer les élections européennes à venir. C'est le deuxième grand volet de notre échange, cher Georges Kuzmanovitch. Alors, évidemment, de tous les côtés, les conflits, que ce soit Israël-Palestine ou Russie-Ukraine, servent d'argument, servent de béquilles, hein, les uns pour les autres. Alors, le RN va être qualifié de pro-Poutine, LFI de pro-Hamas. On essaie de positionner un petit peu tous les pions comme une grande partie de monopolie électorale. Mais ce qu'il en résulte, c'est la question que tous les citoyens se posent. Quels sont les vrais enjeux de cette élection européenne où on voit déjà apparaître doucement des petites ententes en coulisses avec concernant, par exemple, la réélection d'Ursula von der Leyen. Alors, apparemment, ça a l'air plutôt acquis, mais les Républicains font de la résistance. Quel est votre regard sur tout ça, cher Georges, concernant les vrais enjeux de cette élection européenne et les enjeux que peut-être on ne dit pas dans les médias aussi, parce que malheureusement, c'est comme on vient de le pointer du doigt, c'est toujours ça, toujours des non-dits. Mais écoutez, nous avons décidé de participer tant qu'on peut aux élections, à ces élections européennes, car elles sont, je pense, très importantes. Alors, on ne l'a pas fait sous le véhicule République souveraine, puisque c'est un parti politique. On va le faire sous un véhicule qui s'appelle Nous le peuple, qui permettra de réunir des gens membres de partis différents, ou pas membres de partis, mais qui ont une voix, parce qu'ils ont une expertise, parce qu'ils représentent partie des Français par le métier qu'ils pratiquent, bref, quelque chose d'un peu transpartisan pour défendre notre souveraineté. D'ailleurs, j'invite à ceux qui écoutent à aller regarder ce qu'on va faire avec nous, le peuple, et éventuellement nous soutenir, car une campagne, c'est beaucoup d'argent. Et sans argent, eh bien, on ne peut pas combattre contre les européistes et les partis classiques qui, eux, ont beaucoup d'argent. Souvent répéter la même chose. Donc là, c'est une élection extrêmement importante. On a deux enjeux et qui sont liés. Les européistes de tous bords, de toute l'Union européenne, et spécifiquement les nôtres en France, veulent définitivement enterrer toute souveraineté de la France. Il n'en reste plus beaucoup. Et le dernier qui reste, c'est le droit de veto. Je vais essayer de faire simple, mais on pense que c'est la Commission européenne qui gouverne, et ils font tout pour faire croire que c'est la Commission européenne qui gouverne l'Union européenne. Mais la Commission européenne, c'est une brochette de bureaucrates. Et Madame von der Leyen est la chef des bureaucrates. Ce n'est pas l'instance de gouvernement. L'instance de gouvernement de l'Union européenne, c'est le Conseil européen, qui est composé des chefs d'État ou premiers ministres des pays européens. Et quand il y a des discussions, et ben là, vous pouvez voter non, je ne suis pas d'accord. Même si tous les autres veulent un truc, vous dites non, moi, la France, je ne veux pas. Ou moi, l'Espagne, je ne veux pas. Ou récemment, Viktor Orban, je ne veux pas. C'est le droit de veto. Parce que la règle de Lisbonne, c'est l'unanimité. Prendre une décision, il faut que tout le monde soit d'accord. C'est un peu cinglé comme dispositif constitutionnel, mais c'est celui-là. C'est ce qui permet d'avoir une dernière cartouche de souveraineté. Mais l'année dernière, en fin d'année dernière, fin 2023, le Parlement européen a voté pas une loi, mais une résolution invitant à accroître le pouvoir de la Commission européenne et de la transformer de facto en véritable gouvernement exécutif, en y étendant des pouvoirs diplomatiques, des affaires étrangères, et de défense et de sécurité. Donc là, c'est le dernier bout régalien qui reste aux États, en particulier la France, à la Commission européenne, et où la présidente ou le président de la Commission européenne deviendrait de facto, en fait, un vrai président de l'Europe. D'ailleurs, Madame von der Leyen agit de cette manière depuis 2 ans. On le voit dans la crise ukrainienne, elle se promène
hors statut, c'est totalement illégal. Elle n'est pas présidente de l'Union européenne. Elle est chef des corps des fonctionnaires. Mais elle se comporte déjà comme si. Et dans cette résolution du Parlement européen, il a été dit, qu'il faut supprimer la règle de l'unanimité, donc le veto. 28-29 novembre 2023, Assemblée nationale française et voter une résolution. C'est pareil, une résolution, ça engage à rien. C'est pas une loi, c'est un truc. Mais bon, c'est par des petits bouts comme ça que les choses avancent. Il dit, oui, c'est une résolution, mais si c'est rien, pourquoi vous faites quelque chose qui ne sert à rien? Bon, mais ils l'ont fait quand même. Donc une résolution qui entérine la résolution du Parlement européen. On va la répéter, c'est ce que je viens de vous dire. Et ont voté contre seulement le Rassemblement national, la France insoumise et Nicolas Dupont-Aignan. Tous les autres ont voté pour. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont en train, et vous pouvez aller lire, si ça vous amuse, le site de l'Union européenne, hein, c'est clairement écrit le 20 décembre 2023 dernier, hein, sur leur site, ils veulent tendre à la fédéralisation de l'Europe, donc de faire l'Europe fédérale. Définitivement, les États auront perdu leur souveraineté. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a toutes ces discussions sur le transfert du nucléaire à l'Europe. Ouais, c'est normal. Imaginez une Europe fédérale. Vous ne pouvez pas avoir le feu nucléaire qui ne dépend que d'un seul pays, sinon ce n'est pas fédéral. Les États-Unis, c'est un pays fédéral. Et ce n'est pas juste l'État du Montana ou du Texas ou de Floride qui contrôle le feu nucléaire. C'est Washington. C'est l'État fédéral, ce n'est pas les États membres. Donc c'est pas si on veut construire un État fédéral européen, évidemment qu'il faut transférer la dissuasion nucléaire française à l'Europe. Donc c'est ça qui est en jeu, sans vraiment le dire. Tiens, l'objectif, c'est que après le 9 juin, il y a une mise en place d'une accélération du processus de fédéralisation de l'Europe. C'est pour ça que c'est fondamental ce qui se passe. Et c'est pour ça que cette élection, auquel tout un tas de gens ne participent pas. Et je pense que si on faisait un sondage, vu les auditeurs du juste milieu, mais vous serez beaucoup à ne pas participer, soit vous abstenir. En tout cas, vous dire, bon, les Européennes, on s'en fout. Non, non, cette fois-ci, il faut y aller. Parce que c'est peut-être une des dernières batailles importantes où on pourra encore s'exprimer en tant que nation. Et pourquoi c'est lié à la guerre en Ukraine? Parce que, c'est ma thèse, ces européistes utilisent, je pèse mes mots, utilisent, instrumentalisent l'Ukraine et les Ukrainiens. Et peu importe si des centaines de milliers d'Ukrainiens meurent et que ce pays est ravagé et divisé et coupé en deux à la fin, pour avoir un argument d'urgence de l'unification face à l'horrible ours russe qui va venir tous nous attaquer et nous dévorer. Peu importe si les Russes, il y a 3 mois, étaient nuls, n'avaient pas de commandement, pas de munitions, et leurs soldats ne sont pas entraînés, et ils vont être défaits. Mais bon, hop, vite, ça c'est comme dans 1984. Hein, c'est hop, ils se transforment en. Maintenant, tout à coup, par magie, ils ont une armée qui va déferler par la porte de Bercy et envahir Paris. Bon, les amis, c'est soit l'un soit l'autre, hein, on ne peut pas avoir les deux. Passons, ce petit aparté d'éphologique aggravé de certains dans nos médias. Et donc ils se servent de l'Ukraine pour préparer cette Europe fédérale. Et d'ailleurs, il y a trois partis dans cette élection qui, pour moi, sont l'ennemi absolu. Parce qu'ils sont fédéralistes et ce sont des partis va-t-en-guerre, ou en tout cas qui se servent de la guerre pour construire le fédéralisme. C'est bien évidemment Renew, la renaissance d'Emmanuel Macron, qui de toute façon l'a dit depuis qu'il a été élu président en 2017. L'objectif, c'est de faire la souveraineté européenne. Il a été clair, c'est ça l'objectif. Le deuxième, c'est le truc soi-disant gauche de Glucksmann, de Raphaël Glucksmann. Alors lui, il c'est un néoconservateur français totalement au service des intérêts américains. Et qui lui est dans un délire
guerrier qui est à peu près proche de celui de BHL. C'est le même délirium. Et puis le troisième, c'est ELV, qui au moins, reconnaissant le leur, ont dit dans leur lancement des européennes que leur programme, c'était de faire une Europe fédérale. Moi, Je suis c'est un bien. peu surpris que ce soit légal d'aller à une élection totalement en opposition à notre Constitution, puisque notre Constitution dit que la souveraineté de la nation procède du peuple français, voilà, et pas de, je sais pas quelle fédération. Donc, il faut s'aborder entièrement notre Constitution et toute la tradition politique depuis la République française pour parvenir à cet objectif de fédération. Et vous voyez, ce sont les trois les plus excités sur la question de guerre. Pour les Verts, on voit ce soir en France, en Allemagne, enfin, oui, il y a un objectif cohérent. Et donc, c'est ça l'enjeu de l'élection européenne, et c'est pour ça qu'on y va. C'est l'ultime rempart de souveraineté qui est défendu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est pour défendre cette Union européenne. Je répète, bon, pour qu'elle disparaisse, il faut la détruire pour refaire autre chose. Une Europe des nations, une Europe des peuples, basée sur ce qu'a proposé le général de Gaulle, où en dernier recours, les États membres sont souverains. Et puis, s'ils ne veulent pas faire un truc, ils le font parfois. Mais néanmoins, dans le cadre dans lequel on est, c'est ça qui se joue là, cette élection. Ah, effectivement, une élection cruciale. Le lien est en description, hein, pour découvrir. Donc nous le peuple, votre initiative, cher Georges. Et vous avez parlé de la Russie, et justement pour enchaîner, la transition est toute trouvée avec l'attentat qui a eu lieu il y a quelques jours. On est le 25 mars 2024 au moment où on enregistre. Alors avec toute la prudence nécessaire, parce qu'on le disait, on a vu des choses sidérante dans les médias le soir même de la réaction de l'attentat, des réactions notamment de Bernard Guetta, député européen, on en parle justement, qui presque riait au moment de la diffusion des premières images. On a vu, donc on a eu pêle-mêle, hein, l'État islamique Daesh qui a revendiqué l'attentat. Dans un premier temps sur LCI, d'ailleurs avant même ces revendications de Daesh, certains éditorialistes nous disaient, mais c'est sûrement un coup de Vladimir Poutine pour justement mettre de l'huile sur le feu. Enfin bref, du complotisme autorisé. Aujourd'hui, on n'est même pas 4 jours après l'attentat. Donc on va avoir cette prudence-là, mais on est chez juste milieu, donc on est des gens sérieux. Quel regard portez-vous sur l'événement qui a eu lieu au niveau de la configuration, de la reconfiguration potentielle, finalement, quelle que soit la revendication, et surtout dans le contexte, comme vous l'avez dit, de cette instrumentalisation du conflit en Ukraine, où d'une semaine à l'autre, effectivement, on passe d'une victoire sur la Russie qui se fera en une demi-heure, à finalement la Russie va conquérir Paris en 3 jours. On a du mal à voir clair dans tout ça, en fait. En résumé, c'est surtout ça la question. Bon, d'abord sur ce terrible attentat où sont quasiment morts 150 personnes et très nombreux sont blessés à Moscou, c'est la compassion et la solidarité. Et il faut dire, malgré le conflit, qu'il y en a eu beaucoup à travers le monde, et y compris en Occident et même Emmanuel Macron, tout à fait normalement, fait. À parler de compassion et de solidarité avec les moscovites. Parce que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Poutine, les habitants de Moscou, c'est des civils. Non, ils ne sont pas responsables. Enfin, voilà, ils sont fait massacrer comme sont fait massacrer concitoyens au Bataclan, ou à Nice, ou à chaque fois qu'il y a un attentat. Donc d'abord, le premier geste, c'est compassion et solidarité. Puis après, on se pose la question de qui l'a fait. Alors, vous avez une revendication. Bon, alors, avant de parler de qui en est responsable, vous avez totalement raison. La plupart des gens ont eu une compassion humaine, et vous avez quelques cinglés qui sont tellement va-t-en-guerre que la première réaction qu'ils ont, c'est et d'un complotisme qu'ils n'arrêtent pas de dénoncer par ailleurs. Eux, ils peuvent être complotistes, mais alors les autres, surtout pas poser une question. Déjà, poser une question, c'est complotisme. Mais là, ah oui, depuis Paris et depuis LCI, je sais bien que c'est un truc organisé par le FSB pour renforcer le pouvoir de Poutine, blablabla. Il vient d'être élu à 88%, malgré ce qui est dit sur certains plateaux de télévision, il a une popularité extrêmement forte, et en Russie, et dans le monde, dans le sud global, et chez les BRICS, et y compris chez certains Français. Pas besoin de faire un attentat, et puis on voit pas très bien en quoi ça renforce. Certains ont dit ça est horrible, quasiment c'est fait exprès, hein, quoi. C'est pour s'attaquer encore plus à l'Ukraine.
Il y a 600 000 soldats russes qui sont prêts à déferler sur l'Ukraine. Ils sont déjà conquis plus de 20% du pays. Il y a des bombardements quotidiens et des centaines de milliers de morts. On ne voit pas très bien qu'est-ce qu'ils peuvent faire plus. Et ils ont dit clairement qu'ils voulaient prendre Kharkov, Odessa et tout le reste. Bon, avant l'attentat. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça montre juste combien certains sont tellement russophobes ou stupides ou va-t-en guerre qu'ils sont prêts à dire n'importe quoi. On les connaît, c'est comme ça. Maintenant, la responsabilité, ben écoutez. Je pense que l'État islamique est appliqué. D'abord parce qu'ils l'ont revendiqué, clairement, en donnant des preuves d'images des terroristes présents. A priori, c'est une branche particulière de l'EIS qui s'appelle l'EIK qui a mené l'attentat. Et l'EIK, la branche État islamique dans la région est assez puissante et justement composée de beaucoup de Tadjiks qui étaient d'autres bataillons importants avec les Tchétchènes parlant russe dans les troupes de l'État islamique. Bon, rien de totalement surprenant. D'autant plus qu'une partie des chefs de Daesh ont trouvé des refuges en Ukraine. Vous pouvez trouver des articles de 2018, 2019, 2020, donc avant le conflit dans la presse occidentale, hein, en particulier anglo-saxonne, sur le fait que il y a même fois une opération de la CIA qui était menée avec le SBU, les services de renseignement ukrainiens, où ils ont arrêté un chef d'État islamique en Ukraine, mais en 2019. Mais il est mentionné que l'Ukraine, bon, pas trop regardante. S'il faut les arrêter, ils les arrêtent, mais pas trop regardante sur le fait qu'il y en ait qui s'installent là. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de combattants de l'État islamique qui ont servi et combattu avec l'Ukraine. D'ailleurs, ça a fait toutes les vidéos un peu baroques où ils n'étaient pas très contents d'apprendre que l'Ukraine soutenait Israël contre les Palestiniens, alors qu'ils disaient, mais non, parce que les autres sont avec les Russes. Nous, enfin, bon, bref. Les fils, ils ont fait pst, oh, pour certains, à raison, on les comprend. Maintenant, le mode opératoire n'est pas totalement celui de l'État islamique, et on ne peut pas exclure des participations autres que celles de l'État islamique, qui y est impliquée. Et à juste titre, parce qu'on semble avoir oublié, mais moi, le lendemain, j'ai fait un message de compassion et j'ai dit, bon, l'État islamique a revendiqué, tout un tas de gens ont dit, mais non, c'est n'importe quoi, pourquoi l'État islamique attaquerait la Russie alors que. Je suis désolé, mais les premiers qui ont bombardé l'État islamique, c'est l'aviation de la Russie. Et d'ailleurs, à l'époque, j'étais conseiller défense international de Mélenchon, ça a été un drame, parce que Jean-Luc Mélenchon avait dit c'est bien que les Russes bombardent l'État islamique. Je vous rappelle qu'ici, ça s'appelait les modèles, non, les rebelles modérés. Et c'était pas bien. Et la Russie intervenait, alors qu'on avait les preuves, c'était l'État islamique envoyait des camions chargés de pétrole et d'autres biens à travers, vers la Turquie, où des clans proches d'Erdogan. Écoulait tout ça et renvoyait l'argent à l'État islamique pour continuer la guerre. Bon. La Russie a bombardé ses convois. Et à l'époque, ce n'était pas bien. Bon. La Russie a participé à la défaite de Daesh, bien évidemment avec les Kurdes du Rojava, bien évidemment avec la coalition internationale, puis les Américains. Mais ils ont été les premiers à taper dessus et sauver le régime de Assad, et sans intervention russe. Daesh aurait pris Damas et on aurait un califat. Ça aurait été quasi impossible de dégager. Évidemment que Daesh, ils ont une grosse dent contre la Russie. Absolument rien d'étonnant là-dedans. Maintenant, j'ai du mal à croire, je vois pas très bien l'intérêt d'État ukrainien ni du commandement des services de renseignement ukrainiens d'avoir un accord quelconque avec Daesh. Par contre, qu'il y ait des aides et des soutiens et un certain laxisme en se disant que, bon, allez,
Si vous pouvez aller opérer chez les Russes, ben on sera très content, oui. Mais je vous renverrai à ce qui s'est passé chez nous par rapport à la Tchétchénie. Vous avez deux guerres de Tchétchénie qui ont été très très violentes. Nous avons accueilli toute une série de réfugiés. Donc, il y avait bien sûr des réfugiés et des Tchétchènes qui ont fui la guerre, les exactions, le malheur. Mais dedans, vous aviez des islamistes. D'ailleurs, on a eu une heureuse vérification avec la décapitation de Samuel Paty Dominique Bernard. et celle de... Ah. Encore une fois, c'est pas tous les Tchétchènes. Il y en a qui sont. On a un champion de MMA, il y en a qui font du piano. Bon, évidemment, ça n'a aucun. C'est pas ethnique. Mais dans le flot, on a accueilli tout un tas de gens, et en particulier en Grande-Bretagne. Et à l'époque, il faut remémorer les choses, c'est loin. Ils étaient bien contents parce qu'ils disaient, bon, on les accueille, comme ça, on va embêter la Russie dans son flanc sud, en Tchétchénie. Le problème, c'est que vous vous retrouvez avec des gens qui font des trucs dangereux sur votre territoire. Et je pense que c'est plutôt ça qui s'est passé en Ukraine qu'une implication du gouvernement ukrainien dans cette opération-là qui ne voit pas très bien en quoi ça les servirait non plus. Oui, c'est vrai qu'on a, oui, pour l'instant, plusieurs bruits qui courent. Effectivement, ça, là, vous donnez des éléments de clarification. Après, on a toujours, on va dire, la jurisprudence de Nord Stream 2. C'est-à-dire que très vite, on a vu les éléments qui se multipliaient en disant, non, mais c'est certain, c'est peut-être même Poutine. On expliquait d'ailleurs la même chose au moment de l'explosion de Nord Stream 2. On disait, c'est sûrement Poutine. Bon, ben, aujourd'hui, même les médias, même LCI a relayé, c'était la semaine dernière, je crois, en tout cas, il y a un peu moins de 10 jours, la thèse désormais, même France Info en a parlé, d'un ancien de l'état-major ukrainien qui finalement aurait été à la tête de cette opération. Et donc, par rapport à cette situation actuelle, effectivement, on a l'attentat qui a beaucoup fait parler à juste titre ces derniers jours, mais quel est le bilan, là encore, bilan d'étape, hein, on revient un petit peu à notre premier sujet, le bilan d'étape que vous faites sur la situation en Ukraine aujourd'hui, quels sont un petit peu les derniers mouvements qui pour vous changent la donne ou est-ce qu'on est sur une espèce de statu quo qui semble s'être installé depuis plusieurs mois? Alors, mais je reviens sur ce que je vous ai dit concernant l'élection européenne. On a une instrumentalisation des Ukrainiens, avec une inconséquence complète quant à ce que eux subissent. Je pense qu'il faudrait maintenant négocier, maintenant, dans la situation du conflit, et pas en imaginant je ne sais quelle improbable défaite de la Russie. Pour là, non, elle ne pouvait déjà pas avant, mais là, la Russie ne peut pas perdre. Et d'ailleurs, c'est ce que disent tous les géopoliticiens réalistes américains sérieux. En rappelant qu'en mars-avril 2022, il y avait déjà une base de négociation qui avait été validée par Volodymyr Zelensky, mais que l'OTAN, et spécifiquement la personne de Boris Johnson, avait poussé à ne pas accepter. C'est le mémorandum d'Ankara d'Istanbul, où on proposait, où l'idée proposait que l'Ukraine devienne neutre, et la Russie conserve la Crimée, et le Donbass restait ukrainien. Mais là, on est 2 ans après, avec un tas de cadavres supplémentaires, le Donbass est quasiment conquis par la Russie, donc ça, ils ne le lâcheront plus. Alors, à vouloir qu'ils continuent la guerre pour les services de nos élections, c'est-à-dire européennes et américaines, ils risquent de se retrouver avec la perte totale de la partie est du Dniepr, toutes les villes de Kharkov, Zaporijja, Poltava, Dniepropetrovsk, plus Odessa. Et je ne suis pas en train de regarder une boule de cristal ou les cartes, hein. J'écoute ce que disent les uns et les autres, en particulier, pour le coup, les Russes et Vladimir Poutine. Puisque le Conseil européen, d'avant les fêtes de Noël, a dit qu'il fallait que l'Ukraine et la Moldavie entrent dans l'Union européenne, et que notre extraordinaire président a fait un accord de sécurité complètement insensé avec l'Ukraine, où il est écrit et il dit lui-même qu'il faut que l'Ukraine rentre très rapidement dans l'UE et le plus rapidement possible dans l'OTAN. Les Russes, 2 heures après, ont dit, mais visiblement, nos partenaires européens ne comprennent pas que la ligne rouge, c'était l'entrée de l'OTAN dans l'Ukraine. Donc, on va continuer par les moyens militaires. Et derrière, Poutine dit, Odessa est une ville russe. Bon, il ne faut pas être un grand devin pour comprendre que ça va être l'objectif principal futur des Russes. Je vous invite à regarder
Nous aussi, nous avons un média, c'est Fréquence Populaire. On fait de très bonnes interventions, en particulier la dernière. Vraiment, on a regardé cette, avec Jacques Sapir, où Jacques Sapir, sur notre média, fait une émission économique. Et là, on a fait la guerre, mais vu du point économique. La production d'obus, de chars, qui peut faire quoi? Et là, c'est un désastre à cause du néolibéralisme, à cause des délocalisations, à cause d'une construction d'un format particulier d'armée, à cause du tout autant, bien on est totalement désarmé pour ce genre de guerre, là tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'a pas, en fait, on n'a pas de quoi donner aux Ukrainiens. C'est pas que le truc est caché, c'est qu'il n'y a pas. Et donc on les met dans une situation très risquée avec une Russie qui, elle, s'est pas écroulée financièrement, ni économiquement, bien au contraire, qui augmente et continue toujours à augmenter ses capacités de production militaire, et qui a les moyens, avec une armée cohérente. C'est-à-dire que les systèmes d'armes, les doctrines d'emploi, la formation des militaires, tout est cohérent, c'est une même armée. Les Ukrainiens, eux, ils ont des bouts d'armée de différents pays, c'est très très compliqué à coordonner, d'ailleurs, je crois comment ils font, hein. Ça a été assez dur. Donc ça ne peut que mal finir. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que le front est gelé. Mais il n'est pas gelé, le front. Il y a une contre-offensive ukrainienne. Je parle de la première, celle où ils ont fait reculer les Russes. Sauf que, on s'est pas rendu compte que c'était un retrait tactique très très bien mené, en particulier en sortant de Kherson et en retraversant Dniepr, pour se mettre sur des positions défensives qui ont été celles des Russes. Et après, on a eu un an d'attaque ukrainienne avec la célèbre offensive contre-offensive de printemps, qui a été un échec total, avec beaucoup de morts. Et là, le front est gelé parce que les Russes ont décidé de faire cette stratégie-là, stratégie d'attrition des capacités humaines et du matériel ukrainien, plus des frappes dans la profondeur sur les sites de production et énergétique ukrainiens. Donc c'est une guerre longue d'attrition. Et là, maintenant, on est dans une phase où les Russes concentrent des forces colossales, hein, 30 000 volontaires par an, en Russie. Comme je dis, là, ils n'ont plus besoin de faire de mobilisation générale. Vous avez deux armées avec 16 brigades qui sont mécanisées, qui sont en cours de construction, en plus du reste. Eux, ils ont des munitions. Il est fort possible qu'il y ait une offensive russe, moi je dirais début mai. Pourquoi début mai? Parce que là maintenant, le front est gelé de toute façon parce que le sol est dégueulasse. C'est le dégel, c'est les pluies, c'est ce que certains connaissent, hein, ça s'appelle la Rasputitsa, c'est la gadoue. Et dans toutes les guerres, toutes les armées sont enlisées là-dedans. C'est pour ça que les combats que vous voyez en ce moment, pour ceux qui suivent ça, ce sont plutôt des combats d'artillerie, de drones, d'infanterie, mais il y a très peu de chars qui roulent en ce moment parce que c'est trop compliqué. Mais dès début mai, on a un risque d'offensive russe. Et on ne semble pas très très bien s'en rendre compte du côté occidental. Mais encore une fois, je pense que la problématique des européistes, c'est de que ça tienne le coup jusqu'au 9 juin. Pour les Américains, c'est plus compliqué. J'espère que ça tiendra Vraiment. jusqu'en novembre. Bon, c'est un peu long. Mais on verra. En même temps, les Ukrainiens ont montré une grande résilience. Mais on voit que ça commence à craquer, même moralement, à cause de volume de force que les Russes engagent dans ce combat, dans cette guerre. Et moi, je crains qu'on se retrouve. Enfin, je crains. On va se retrouver dans une situation où les Ukrainiens vont demander des comptes aux Occidentaux, et en particulier aux Européens, en leur disant: mais vous nous avez mis là-dedans, en fait. Vous nous avez soutenus, vous nous avez dit que, vous nous avez dit de ne pas faire d'accord de négociation parce que vous alliez écraser la Russie économiquement. Bon, déjà, ça s'est raté. Puis que vous allez nous soutenir, puis que vous allez envoyer 1 million d'obus, et puis ceci, et puis cela. Si à la fin on n'a pas fait ce qu'on a promis, alors que eux ont tenu leur part du contrat, enfin, je pense que c'est un contrat stupide. Il aurait fallu que l'Ukraine soit neutre et que ce soit un pont entre la Russie et l'Europe, qu'il n'y ait pas de guerre et que tout le monde soit content. Mais bon. Mais dans le contrat qui a été passé, les Ukrainiens ont tenu leur part de deal. Donc ils vont pouvoir demander après, mais merci les gars. On a le pays qui est coupé en deux et on a perdu 500 000 bonhommes.
et rien. C'est pour ça que c'est ahurissant cette inconséquence et qui s'aggrave pour nous, parce qu'on a les sanctions qui sanctionnent pas grand-chose en Russie, qui nous sanctionnent nous considérablement. Là, on a le gouvernement et les Européens qui sont décidés de saisir les bénéfices des avoirs gelés des Russes. Donc, on a bloqué 300 milliards d'avoirs russes dans les banques centrales américaines et européennes, et cet argent travaille. Et donc, cet argent a produit des petits bébés argent, ces intérêts. De prendre les intérêts pour commencer à les donner aux Européens. Même Bardella, qui, bon, n'a jamais travaillé, n'a jamais fait de géopolitique, trouve ça génial si c'était son idée, et trouve ça super. Mais c'est débile. C'est débile. On dirait qu'ils sont payés par Poutine, en fait. Ça n'a aucun sens de faire ça. Pourquoi? C'est parce que ça met en défaut notre monnaie de réserve, qui est l'euro. Qui va mettre de l'argent dans des banques centrales si cet argent peut être saisi et en plus utilisé pour autre chose et jamais rendu? Parce qu'on a un paquet de dictateurs ou de gens pas complètement conformes avec les dernières versions de la démocratie. Ils ne sont pas totalement 2.0 démocratie. Donc, ils se disent, bon, c'est pas malin en fait. Et d'ailleurs, les Américains ne sont pas stupides. Ils regardent l'Europe continuer à s'effondrer sur elle-même. Ils ne font pas ça, eux. Ils n'ont pas du tout envie que les gens, déjà qu'ils sont beaucoup trop instrumentalisés et utilisés le dollar comme arme, là, c'est l'étape de trop. Mais en plus, nous, Français, on était le premier embaucheur privé étranger de Russie. Donc il y a des dizaines et des dizaines de milliards d'avoirs français en Russie. Et ils ont déjà dit ce qu'ils allaient faire. Ah bon, vous nous prenez 1 milliard de là-bas, de l'argent, bah on prendra 1 milliard sur les avoirs français. Donc c'est complètement con. Et voilà la situation où on est, et surtout c'est tragique pour les Ukrainiens, parce que si on n'arrive pas à envoyer le matériel militaire, on ne sait pas très bien ce qu'ils vont faire. Pour la France, je rappelle que la France produit 30 000 obus par an à Tarbes. 30 000. Et là, avec les gros bras, hein, pas les petits bras, les gros bras de notre président, alors on va pousser à 60 000 l'année prochaine. 60 000. 2 jours de tir sur le front, en Ukraine. C'est vraiment pas prendre les gens au sérieux. Les Ukrainiens et les populations européennes. Donc voilà, je crains que la suite soit plus de morts, plus de guerres, avec un président absolument français, hein, absolument inconséquent, qui propose des choses improbables, parce qu'on n'a pas l'armée pour aller tamponner les Russes, d'autant plus que surtout, c'est surtout ahurissant en termes de dissuasion nucléaire. La règle de base, c'est 2 pays qui ont l'arme nucléaire ne s'affrontent pas directement. Par pays interposé, oui, mais pas directement. Bon, visiblement, il a raté ce cours à l'ENA, il veut faire autre chose. Et puis surtout, quel intérêt on défend là-bas? Et cette question, par exemple, est peu abordée. C'est quoi les intérêts? Ah, toujours, si, l'intérêt, c'est les valeurs. On en revient à ce qu'on disait au début. Alors, bah, oui, mais là, les valeurs, ça compte et là-bas, ça compte pas. Enfin, c'est pas sérieux, en fait. C'est pas sérieux de ce monde. Donc voilà, je pense malheureusement, plus d'avancées russes, plus d'effondrements ukrainiens et plus de pertes économiques en Europe. Un point d'étape effectivement peu reluisant, mais qui a le mérite d'être clair et effectivement clair et factuel. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça qu'on aime à vous recevoir sur Juste Milieu. Effectivement, on risque d'aller de surprise en surprise avec tout ça, même si, cher Georges, je vous donnais là des éléments de précision qui sont très précieux. Et déjà, justement, un immense merci pour toutes vos précisions sur cet échange. Alors, on l'a dit, c'est nous le peuple pour les élections européennes. C'est votre actualité du moment. Est-ce on pourra vous retrouver du coup dans des événements organisés avec ce mouvement-là en attendant le premier tour des élections? Bah écoutez, on se bat avec difficultés comme les conscrits de l'an 2 et les volontaires de la Révolution. Donc, on a un petit peu tout le monde n'a pas son fusil et certains soldats sont en chaussures de bois. Une petite métaphore pour dire que c'est un peu compliqué parce que des bâtons dans les roues, administratifs, d'ouverture de compte, c'est une vraie plaie. Mais on fera suivre tout cela. Donc, notre problématique, c'était de réussir à ouvrir un compte en banque pour pouvoir faire campagne. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont tenté, qui ont découvert combien c'est difficile. Donc là, on y parvient. Bon, on va faire des événements. Donc on va être assez actifs sur les réseaux sociaux.
Et on va aussi être, on va organiser des événements, mais on informera sur les réseaux sociaux, puis on tiendra au courant si vous pouvez faire un petit mot. Quand les choses seront lancées, ça sera fort sympathique. Avec plaisir. Le rendez-vous est pris. Voilà, cher Georges, on arrive au bout de ce nouvel échange sur Juste Milieu. Merci beaucoup d'avoir été là une fois de plus. Merci, merci Rémi. Avec plaisir, chers spectateurs. On va se retrouver, comme d'habitude, vous le savez, pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et surtout, en attendant, gardez la banane et prenez soin de vous. Merci beaucoup. À bientôt.